On est un peuple passionné de football. Et donc forcément, par rapport à votre deuxième question sur la pression, bah oui, il y a la pression, mais on le sait, et elle va être de plus en plus importante. Mais c'est logique, et comme j'ai dit, quand on est joueur ou quand on est entraîneur, on rêve d'avoir ce genre de pression, et on rêve justement que tout un peuple nous suive. Et en plus, voilà, avec ce qu'on a fait à la Coupe du Monde, c'est un peu le revers de la médaille, on l'accepte. Et l'accepter, c'est être performant sur le terrain pour le rendre aussi et montrer qu'on peut être à la hauteur. Premièrement, on a énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C'est un pays de football. C'est des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu des grands joueurs. Vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. J'ai eu la chance de jouer à Moulumbaji. Et voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas un léopard, il va se faire manger. Donc voilà, la stratégie, c'est de ne pas se faire manger. C'est tout. Merci. Merci. Ok. Peur. Non, pas peur, parce que c'est un trop gros mot, mais on les respecte énormément. On a beaucoup de respect pour cette équipe. Et forcément, oui, c'est une des meilleures équipes du groupe. C'est un des favoris aussi. C'est une équipe qui, si on la laisse prendre confiance, ça peut être dangereuse. Donc voilà, on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Et comme je l'ai dit, pour moi et pour mon équipe, c'est ce que je dis à mes joueurs, il faut respecter tout le monde. Et forcément, on a oublié le match de la Tanzanie. Aujourd'hui, on va respecter la RDC parce que c'est eux qu'on a en face de nous demain. Mais on sait à qui on va avoir affaire. Si les gens pensent que ça va être un match facile ou que logiquement le Maroc va s'imposer, on se trompe. On voit qu'à chaque match, à sa vérité, on a vu des équipes qui montent en puissance. On a vu des équipes qu'on pensait mortes qui sont revenues. Donc voilà, nous on va respecter, j'ai dit le plan de jeu c'est pas que la République démocratique du Congo, c'est se qualifier, nous on veut se qualifier rapidement pour vite passer à autre chose, Inch'Allah. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.